protection maternelle et infantile. Pour les diagnostics d'hyperactivité, oh bah jackpot, ils le sont tous. Tous mes enfants, ils sont hyperactifs, quoi. Je m'en doutais, tu me diras. Franz! Nein! Oui, je m'en doutais. Bah tiens, regarde-le, lui, Franz, il a marché à 3 mois. Ça veut tout dire. Lâche ce bout de bois. Qu'est-ce qu'il était beau, son père, à celui-là. Qu'est-ce qu'il était abruti, par contre. Ah bah attends, Carole, déjà, moi, je considère que j'ai pas inventé la machine à rayer les doriforts. Mais alors, son père, un scandale, quoi. Bête. Genre, le mec, tu lui dis, vas-y, fais-moi grimper au rideau, il te fait la courte échelle, tu vois. Bête. Bon, en même temps, Berlin, j'y suis restée 2 jours. On n'a pas eu le temps de faire connaissance. Franz, j'ai dit lâche ce bout de bois, j'ai pas dit lèche. Eh ben, tu rigoleras moins quand tu feras caca des copeaux. Oh, hyperactif. Oh, si c'est pas du gâchis, tu les élèves à bout de bras. Jusqu'à 7 ans et demi que je les allaite. Ah, tu le sais, Carole, et puis alors après, que des bonnes choses. Viande blanche cuite à la vapeur, légumes biologiques, quinoa, boulgour, sésame, des graines. Eh ben non, paf, hyperactif, tu comprends quelque chose. Toi, Franz, es nicht essen auf dieses. Es nicht essen auf dieses, das ist widerlicher, Wiedenfatter. Tu t'arrêtes, hein. Franz, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon grand colon. Eh ben, ça veut dire que tu me fais chier. Quoi, Carole? Ah non, non, le père de celui-là, je l'ai jamais revu, non. Non, bon, il sait qu'il a un fils de 6 mois et qu'il s'appelle... Michael. Mais il n'a pas le temps de s'occuper de ça, puis c'est pas ce que je lui demande. Ah, il est quand même trader. À New York, pas le toboggan à l'envers, Metastasia. Pas le toboggan... Bah voilà. Eh ben oui, tu saignes. Maman, elle voit bien que tu saignes. Elle n'est pas sourde. Boris, va faire un point de compression sur la jugulaire à ta sœur. Boris, Sunly, déterre Boris. Sunly, ne nourris pas cet animal. Déjà bien assez gros en plus. T'as vu, Carole, ils ont mis des animaux dans le parc. Carole, un zèbre. Un énorme... Oh, je suis con, c'est ta fille. Bonjour, Kimberley. Oui, bah tu la nourris pas, elle a de l'avance. Non, Kimberley peut pas venir prendre le goûter à la maison, tu rigoles des genoux, elle va nous niquer les vivres. Non, elle rentre chez... C'est pas la peine d'assez vous... Eh, oh, ouh, ouh, les gros yeux. Ouh, maman fait la chouette. Attention, hein, sinon maman, elle appelle le gros monstre, celui qui pue, celui qui pète. Celui qui ressemble à mamie Jeannette. T'inquiète, ils ont les vitides. Oh, en parlant de monstre, quand je te regarde, Carole. Je me dis que j'ai bien fait de faire ma vie comme ça. Moi, je voulais plein d'enfants, mais je voulais pas de leur père à la maison. Non, merci. No fucking way. Pas question. Ah bah tiens, regarde, Sunly, par exemple. Sunly, ER, Sunso, Uli, Ochiba, Joshua. Pareil, Babu, Nam, Sobek, Nam, Chinmoy. T'inquiète, elle a l'habitude. Tu vois, Sunly, eh bah si j'étais restée ne serait-ce que 2 semaines de plus avec son père, ça aurait pas fonctionné. Ah bah déjà, vivre en Chine, non merci, je déteste les samoussas. Oh, et puis tu sais, Carole, la légende est vraie. Carole, bah les Chinois. T'as déjà vu un tic-tac avec une perruque de clown? Ah bah moi, des fois, je me réveillais même pas. Enfin, bon. Comme dirait le père de Boris, « Dragaï do veled el telnek avec un berakel pereknakik beselnek ».
Kick Bessel. Je sais pas ce que ça veut dire. François, pourquoi tu pousses ton frère? Pourquoi tu... Ben, c'est lui qui t'a demandé de le pousser. Sur la balançoire, couillon, pas dans la caillasse. Tu vas partir en colo, mon vieux. Je sais pas, chez Picard. Tu sais, François, je suis ta mère et je t'aime énormément. Je t'ai donné la vie. Eh ben, je peux la reprendre. T'inquiète, il a l'habitude. Tu vois, moi, mes enfants, Carole, je leur pose chacun une photo de leur père au-dessus de leur lit. Je trouve ça très important, même si ça leur procure souvent des cauchemars. Surtout Boris. Boris fait énormément de cauchemars de son père, hein, Boris? Boris? Papa! T'inquiète, il a l'habitude. Il vomit à chaque fois. C'est normal qu'il a peur de son père, c'est parce que son père est hongrois et les hongrois sont extrêmement moches. Déjà, ils ont tous des énormes sourcils, tu sais pas pourquoi. Ah, énorme, un paillasson de chaque côté. Bienvenue, bienvenue. Fillon en 3D, les mecs. Oh ben, ils ont pas froid aux yeux. Sirop de fraise. Oui, Felipe, celui qui a un drôle de goût et qui donne envie de faire dodo. Oh oui, tu en auras double. Ah tiens, Felipe, au lieu de faire le mariole, attrape ton frère.